Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 35 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Trials 2. Alors, de seconde édition. Hein. Donc oui, mais on s'en fout un peu. Donc on va jouer à Trials 2, le principe est là. Donc le drapeau là, on choisit la France. C'est parti, on va... Donc Trials 2, on va faire un tutoriel. Trials 2, c'est un jeu de comme on l'a dit, j'ai envie de dire, de Trials. Tout le monde y a déjà joué, au moins une fois. Allez, voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est le jeu où c'est que vous devez franchir des obstacles avec votre moto et arriver à la fin du parcours qui est donc semé d'embûches. Donc voilà, on va essayer d'arriver. Donc vous avez la touche du haut pour avancer et la touche de gauche et la touche de droite pour redresser la moto vers l'avant ou vers l'arrière. Ça se résume à ça, c'est un jeu assez fun. Se joue rapidement, hein, voilà. C'est pas non plus un jeu où on doit se prendre la tête. Hop là. Par contre, vous pouvez passer des heures à essayer de passer des obstacles qui sont absolument impassables. Alors là, hop, on essaye de... Voilà. On remarquerait que... on remarquerait quand même que les chutes sont marrantes, on va dire. Pas très réaliste, mais on s'en fout. C'est pas fait pour... Le principe, c'est d'arriver à la fin du parcours. Donc vous avez des checkpoints qui s'allument quand vous passez. Vous avez vu, là j'ai pas repris du début parce qu'il y avait des checkpoints. On va les voir, attendez, on va essayer d'en voir quelques-uns pendant que... Donc allez, hop là. Ah là, il y en avait un là, voilà, c'est les checkpoints, c'est les feux qui s'allument. Et si je me rate, je fais raterie au checkpoint. Ah, et non. Donc, le perso se vautre violemment. Hein. Ça fait pas semblant, voilà, on se rate. Donc vous m'excuserez si je recommence des fois 50 actions. C'est des jeux où vous pouvez prendre la tête pendant un sacré moment. Hop là, hop là, on y arrive. Donc c'est une histoire de réflexe, hein. Ce jeu c'est du pur réflexe. En réfléchissant un peu, parce que des fois vous verrez, c'est vraiment un casse-tête. Allez. Donc là, comment on fait pour passer là, je sais même pas. Ah, voilà. J'ai voulu me baisser à l'avant, mais j'ai foiré mon coup. Voilà, donc je suis bloqué, comment je fais? Voilà. Ok, d'accord, tout simplement. Alors on va essayer de passer. Ok, d'accord. Voilà, on a entendu le mec qui a gueulé un truc de fou. Oh non, alors vous voyez en haut, ils ont un truc assez marrant en haut à gauche. C'est qu'ils nous marquent le nombre d'os brisés qu'on a eu sur le parcours. Hop, voilà. Ah, on va y arriver. Non. Oui. Eh ben non. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire là? On peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut reculer. D'accord. Il faut reculer et aller par là. Oh my god. Je viens de me faire presque décapiter par une planche de bois. Donc on va essayer d'y retourner. Ah. Ouf. Oh, il se tape de partout, c'est horrible. Ah non. Voilà, ce qui est pratique, c'est que c'est assez rapide. Quand vous voulez recommencer, bah, ça va vite, quoi. Donc voilà. Et non! Enfoiré. On va essayer de pas y passer la nuit. Trials 2, c'est vraiment un jeu pour s'amuser en plus. Donc les graphismes, contrairement au jeu Flash que vous voyez sur internet, bah là c'est du 3D. Vous êtes vraiment dans le jeu, quoi. C'est un vrai jeu PC. Allez. On va y arriver peut-être un jour. Peut-être. On va essayer de passer tranquillement. Allez. Hop. Ouh là là, on va aller tout doucement. Voilà, c'est fini. On a fini la course. Allez, on continue. Circuit suivant. Piste suivante, fermée. Donc voilà, même il n'y a même pas de temps de chargement tellement c'est rapide. Hein, donc c'est juste des obstacles. Et c'est parti. Hop. J'ai passé le checkpoint, c'est bon. J'ai pas besoin de recommencer. Tout ce que j'ai fait, allez, non, voilà, mais j'ai passé le checkpoint donc tout va bien. Voilà, on continue, et hop, mais c'est bon, on a fini la piste, l'arrivée était là donc c'est bon, on y arrivait tant bien que mal. Allez, on continue, hop. Ok, d'accord, donc là le but ça va être d'arriver avec la première roue. Donc il faut lever un maximum la roue de devant avant d'y arriver. Ah, presque. On va y aller. Yes.
presque. Oui, non. Non, passe-le le checkpoint. Ah non, il a pas passé le checkpoint. Alors, on recommence. Jusqu'à qu'on y arrive. Ah bah, si on se vautre pas. Allez. C'est-à-dire qu'on va pas y passer des heures. Je sais pas si c'est moi qui suis nul ou si c'est le jeu qui est totalement horrible. Je vous conseille d'essayer d'acheter ce jeu et de tester chez vous. Et vous verrez à quel point c'est quelque chose d'horrible. Ouh là là. Donc là, on va essayer d'y arriver. Hop. On va essayer d'arriver à la fin du parcours. Donc là, c'est la même chose. Il faut arriver la roue la première là-bas. C'est pas trop mon truc, ça. Faut déjà arriver sur ce tremplin. Voilà. Non. Une fois qu'on est là, on est bloqué. On peut plus. Le seul moyen de. Cette forêt. Bon, je sais pas comment il fait pour se retrait quand même des fois, mais. Ce qui pourrait être gênant, c'est le bruit de la moto au bout d'un moment. Mais. C'est normal. C'est normal qu'il y ait un bruit de moto vu qu'on est sur une moto, quoi. Tout simplement. Allez! Oui, non! Presque! Va-t-on s'en sortir? Je ne sais pas. Ah, c'était plutôt sympa de faire des saltos avec une moto. C'est sympa. Bon voilà. C'est bien. Déjà, pas mal d'os brisés. ça progresse pas, hein. On reste un peu bloqué sur ces niveaux. C'est le genre de jeu où vous pouvez passer des heures hein, sur un niveau comme ça. Si vous arrivez pas, vous y arrivez pas, quoi. Mais par contre, à partir du moment où vous l'avez passé, vous êtes content, vous le refaites pas. Donc là, faut bien se dire... J'étais presque arrivé à le passer, non! J'étais presque arrivé à le passer. Donc, ouais, ce genre de jeu, vous recommencez jamais les niveaux deux fois, quoi. Donc vous avez vu quand même, là, on est dans le tutoriel. Donc c'est sympa. Donc il y a plein d'autres pistes, hein, on avait plein de catégories. C'est plutôt sympa. C'est assez complet. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Le jeu n'est pas lourd non plus. Hein. Il doit faire 200 mégas à tout casser. C'est juste pour s'amuser. Voilà, c'est le principe d'un jeu. Mais... Allez, non. C'est absolument impossible à passer, ça. Allez, je pense qu'on va pas y arriver. Je pense que je vais vous laisser la joie de découvrir ce jeu. Et de bien galérer sur les niveaux parce que ça c'est pas le plus dur je pense. Et pourtant j'y arrive pas donc ouais, je vais laisser tomber. C'est pas la peine. Voilà. Voilà donc voilà. Ce sera tout pour Trials 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.